Ok. Bonjour à tous et à toutes. Bon, si vous êtes là, c'est que vous savez qu'on est là pour fêter ensemble l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Vous venez d'avoir un débat sur les discriminations et une discussion sur les discriminations dans la culture et dans l'histoire. Et maintenant, il est temps de laisser place à la campagne sur la torture et la peine de mort. Donc, notre campagne, on l'a menée pendant une semaine sur les réseaux sociaux, peut-être que vous l'avez suivie. On a essayé de vous sensibiliser un maximum et de vous informer sur la situation actuelle mondiale. Cette semaine, elle a abouti à un mini-salon débat où on a pu échanger nos idées. Et comme ça s'est super bien passé et que c'était très intéressant, on a décidé aujourd'hui de refaire un débat à plus grande échelle. Alors, pour ce débat, il va se passer en deux grandes parties. La première partie, ce sera les questions sur la peine de mort. Et dans un second temps, ce sera les questions sur la torture. Alors, il y a ici Marie qui vous présentera à chaque fois une argumentation pro-amnestie. Et ensuite, Johan et Elena qui vous présenteront une argumentation plus en faveur de la peine de mort et de la torture. Alors, pour animer le débat un maximum, il faut évidemment que vous participiez dans le chat. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos points de vue et vos questions. Voilà, alors sans tarder, on va commencer la première partie sur la peine de mort. Déjà, la peine de mort, c'est quoi ? Elle est appelée aussi peine capitale. C'est une peine prévue dans la loi consistant à exécuter une personne ayant été reconnue coupable d'une faute qualifiée de crime capital. Dans certains pays, ça peut être à cause d'infractions liées à la législation, sur les stupéfiants, tandis que dans d'autres, ce châtiment est réservé aux actes de terrorisme et aux meurtres. Selon un rapport d'Amnesty International datant de 2017, c'est 142 pays qui ont aboli la peine de mort en droit ou en pratique. En 2019, Amnesty a recensé 657 exécutions dans 20 pays. Et c'est le chiffre le plus faible, il faut le noter, qu'Amnesty a enregistré depuis 10 ans. Voilà, alors, première question. Est-ce que selon vous, il y a certaines manières d'appliquer la peine capitale qui sont plus humaines que d'autres ? Moi, je veux bien commencer. Donc pour moi, oui, il y a d'autres manières plus humaines. Ça me fait penser, il y a un cas aux États-Unis, il n'y a pas si longtemps que ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est passé au JT en tout cas, d'un homme qui allait se faire tuer, peine de mort, et c'était par injection, et il a mis plusieurs heures à mourir. Donc pendant plusieurs heures, il est ultra mal, et il est enfin, je crois que c'est au bout de 9 heures, il me semble qu'il est mort. Donc, ouais. Oui, donc je pense qu'on peut des manières plus nombreuses. Ouais. Okay. Bah moi je te suis sur l'idée, tu as donné un bon exemple, même dans le symbole que ça renvoie, aussi l'imaginaire collectif, on ne peut pas comparer toutes les façons de tuer. Également, souvent, il y a un parallèle entre ce que les ennemis font et ce que les États font, on pense notamment à la décapitation, qui est quand même symboliquement très fort, perdre la tête c'est perdre la raison en soi. Donc pour moi, en effet, il y a une hiérarchie, en tout cas si je prends cette position-là, bien sûr, il y a une hiérarchie entre différents types d'exécution et de peine de mort. Ok. Marie, peut-être que tu veux revenir sur les différentes peines de mort qui existent. Aujourd'hui, Amnesty a recensé plusieurs manières d'exécuter l'exécution dans le monde, notamment la décapitation, la chaise électrique aux États-Unis, où les condamnés à mort ont le choix entre la chaise électrique et l'injection létale. Il y a également la pendaison et l'exécution par balle. Voilà, donc les différentes exécutions, types d'exécutions recensées dans le monde par Amnesty. Mais sinon, pour rebondir sur la question, pour moi, il n'y a pas une manière de tuer plus humaine qu'une autre. Par contre, peut-être une manière moins barbare qu'une autre, mais tuer. Prendre la vie de quelqu'un, ça reste, ça ne peut pas être humain, ça reste un acte barbare. Et dans l'imaginaire collectif, par exemple, l'injection létale paraît beaucoup moins barbare que la décapitation. Mais voilà, comme tu disais, il y a certains condamnés qui ont mis des heures à mourir, enfin entre le début de leur exécution et leur mort, il s'est passé des heures. Et et d'autres des personnes disent que en fait il y a quand même une réelle souffrance avec cette méthode. Alors oui, elle n'est pas
il n'y a pas du sang, il n'y a pas voilà, mais ça reste quand même un acte barbare. Voilà. Oui, en fait, elle est moins impressionnante, mais voilà, c'est en réalité, elle est horrible, c'est quand même ouais, c'est clair. Ok, donc pour l'info, c'est 28 États aux USA qui appliquent encore la peine de mort et une cinquantaine d'États encore dans le monde. Concluons cette question. Toute forme de peine de mort pour Amnesty est inhumaine dans tous les cas et essayer justement de trouver des moyens plus doux. On dit que l'injection létale, soi-disant, c'est une manière plus douce, mais comme l'a dit Elena, c'est pas toujours le cas en fait. Ça revient un peu à banaliser la peine de mort et Amnesty, c'est pas l'objectif du tout. Toutes les formes de peine de mort sont inhumaines. Si je peux compléter l'information que tu as donnée, sachant que sur le chiffre de la peine de mort, on peut pas avoir une réelle estimation parce qu'il y a certains États, autoritaires et totalitaires comme la Chine, qui ne donnent pas du tout accès au nombre de personnes tuées. Du coup, malheureusement, il faut voir encore plus large que ce que l'on estime aujourd'hui. C'est vrai. Ok. Alors, seconde question. Est-ce que, selon vous, la peine de mort a un effet sur le taux de criminalité ? Je peux bien commencer. Oui, je peux bien de nouveau commencer, mais, mais non. Enfin, dans le sens que la peine de mort n'est pas du tout dissuasive. Enfin, vraiment, vraiment, vraiment pas. Quand on regarde les chiffres, les gens qui tuent, parce que c'est souvent pour ça qu'il y a la peine de mort, c'est souvent par des impulsions, c'est rarement par préméditation, et quand ça l'est, c'est parce que c'est des gens qui ont des pathologies. Du coup, avoir la peine de mort comme au bout, ça ne change rien, quoi. Et alors, il y a des chiffres que je pourrais peut-être vous lire, simplement vous expliquer qu'aux États-Unis, donc il y a des États qui sont abolitionnistes et d'autres pas, et on voit que c'est dans les États où il y a la peine de mort est appliquée que le taux de criminalité est le plus élevé. Donc ça ne peut pas être plus tard que ça, quoi. Oui, et je vais compléter ce que dit Elena, disant qu'il y a une étude qui a été menée sur 35 ans, en comparant Singapour et Hong Kong. Donc c'est des villes, deux villes avec plus ou moins le même nombre d'habitants. Et donc Singapour a l'exécution capitale encore légale, applique l'exécution capitale, tandis que Hong Kong non. Et donc en fait les taux de criminalité sont semblables, donc qu'il y ait l'exécution capitale ou pas. Donc ce qui montre que ça n'a prévu pas d'influence sur le taux de criminalité. Et pareil en Iran, depuis 1959, où les délits les délits en rapport avec les stupéfiants ont été sanctionnés par la peine de mort, les autorités elles-mêmes reconnaissent qu'il n'y a pas eu une évolution au niveau de la lutte contre le trafic de drogue entre le moment où l'exécution capitale a été mise à la clé et avant. Donc voilà. Ok, ouais. Et j'avais aussi relevé une enquête au Canada c'était pareil, quoi, une enquête pour d'Amnesty, savoir est-ce que vraiment la peine de mort a une influence sur la criminalité. Et en fait, on remarquait que depuis qu'on a aboli la peine de mort, c'est en baisse, les taux de criminalité sont en baisse. Mm-hmm. Donc voilà, ça prouve bien le contraire. Et notez aussi que souvent, c'est un peu des outils politiques, dans le sens où on va nous faire croire que la peine de mort, on défend l'idée que ça diminue le taux de criminalité, mais c'est pas le cas, c'est juste pour défendre cette politique-là. Mmh. Voilà. Moi, si je peux du coup donner un point de vue, en sachant que je l'ai répété plusieurs fois, mais c'est toujours un jeu de rôle quand même, je ne dis pas que ce sont mes convictions. Mais si justement je voulais approuver l'argument que la peine de mort est dissuasive, même si en effet les chiffres prouvent le contraire, je pourrais dire qu'en effet il y a un côté très politique dans la peine de mort, dans ceux en tout cas qui la prônent. On pourrait dire que c'est finalement symboliquement, en effet, la peine capitale pour essayer de. Pour permettre à l'État d'avoir un contrôle quand même sur l'action de la population. Alors en effet les chiffres le prouvent et démontrent que c'est faux, donc cet argument-là est compliqué à tenir, mais malgré tout, l'État peut-être doit passer par tous les moyens pour exercer sa souveraineté, et ça peut être un argument tenu par les personnes qui le souhaitent de dire que la peine de mort peut être un de ces moyens.
Oui, mais du coup, ce qu'on peut facilement répondre, entre guillemets, c'est que, par exemple, enfin, je suppose que ce que tu voulais dire aussi, c'était que bah, on tue la personne comme ça, elle ne récidive pas. Comment le retue pas après, par exemple. C'est aussi un symbole que tu envoies à la reste de la population, même si, je me répète, c'est une question qui peut être répondue avec des chiffres, donc de toute façon. Mmh. Mais tu disais que l'État doit pouvoir avoir tous les moyens pour assurer sa souveraineté, c'est ça, c'est bien ça que tu as dit? C'est l'argument qui peut être... Est-ce que c'est vrai ça que l'État... Enfin, moi je ne suis pas d'accord avec le fait que l'État a le droit d'avoir tous les moyens pour assurer sa souveraineté. Justement, un État se doit d'être en accord avec les droits humains, et pour moi, la peine de mort est une violation des droits humains, donc... sous prétexte de pouvoir assurer sa souveraineté, un État ne devrait pas justement violer ses droits et devrait assurer sa souveraineté tout en restant en accord avec les droits humains. Alors c'est compliqué de trouver un argument parce que je suis vraiment d'accord, mais ce qu'on pourrait dire si on pousse à l'extrême la thèse que j'essaie de défendre, c'est que la raison d'État malgré tout peut-être peut passer par du sacrifice de certains principes, certains individus, pour sur le long terme assurer une autorité légitime à la défense, et en tout cas à l'émancipation d'une population. Même si bien sûr, je suis totalement d'accord que ça ne tient pas la route pour autant, mais bon, c'est un argument qui pourrait être tenu, mais qui est facilement démentable. Il faut régner la peur, quoi, autrement dit. Le triomphe de la peur, c'est à la mode en plus de nos jours, je pense, malheureusement, même en démocratie. Ok, je vous propose qu'on passe à la prochaine question, parce qu'on a beaucoup d'éléments. Est-ce qu'il y a des réactions sur le chat? Non. Okay. Oui, réagissez sur le chat. C'est vraiment... Vous aimez bien les pulls. Donc, prochaine question. Est-ce que selon vous, il vaut mieux privilégier une justice individuelle ou une justice collective? Donc, justice individuelle, on entend de se faire justice soi-même, c'est obtenir la réparation de quelque chose sans recourir à une institution judiciaire, en estimant être dans son bon droit et en utilisant tous les moyens, y compris la violence. Moi, j'ai une question du coup. La justice individuelle, c'est d'application dans certains pays, enfin, est-ce qu'on peut avoir des exemples ou c'est genre juste est-ce que je suis ou pas la règle qui est pas tuée? Chaque pays a une institution judiciaire, donc. Oui, ok. Donc, okay. Se faire justice soi-même. Ouais. Oui, ok, ouais. C'est ça. Mais oui, c'est pardon. Mm-hmm. Voilà. Du coup, tu veux répondre? Bah, oui, mais c'était évidemment plutôt collectif, quoi. J'ai du mal à comprendre comment on peut défendre le point de vue individuel. C'était plutôt pour ça que je m'en dérangeais. Bah, en fait, il faut se mettre dans la situation où tu perds un de tes proches par homicide volontaire, enfin peu importe. Et comment est-ce que tu réagis? Ah oui, ok, très bien. Bah, oui. On peut parler peut-être du cas de Julie et Mélissa avec l'affaire du trou. Parce que ses parents ont fait preuve d'un exemple, c'était incroyable. Ils n'ont pas fait appel à la peine de mort pour Marine Trou, ce qui est quand même juste incroyable. Donc je crois que si eux, ils peuvent ne pas faire appel à la peine de mort, tout le monde peut le faire. Quoi. Parce que faire voir ses enfants se faire torturer et tuer avec préméditation, quoi, c'est fou quoi. Donc, ouais. Donc on voit une. Des fois un manque de justice peut-être, voire pas du tout de justice dans certaines affaires. Et est-ce que justement ça pousse pas à vouloir se faire justice soi-même, quoi? Donc un peu loi du talion, pareil, est important. Ouais, mais en fait, je pense que tu me lances du coup sur le contre-argument que je pourrais donner. Déjà, je dois peut-être... Alors, c'est toujours un jeu de rôle. Mais déjà, je voudrais revenir sur, sur l'idée de... je précise quand même, pour pas qu'on coupe le montage. Tu dis que tu as du mal à comprendre ceux qui prônent la justice individuelle. Je pense qu'on peut comprendre sous l'émotion quand même certains propos, certaines volontés. Est-ce qu'on doit les accepter ou leur donner l'occasion? Après, moi, je pense que non. Mais en tout cas, face à certaines actions horribles, on ne va peut-être pas les citer pour faire fuir le chat, mais c'est parfois logique aussi quand on perd un proche, d'incroyable souffrance, etc., de peut-être vouloir une réaction très violente. Mais par contre, tu disais un point qui était super important, et en tout cas, ce qui je pense pourrait soutenir la thèse de l'opposition, c'est la justice collective, oui, lorsqu'il y a justice aussi. Je veux dire, lorsqu'on peut avoir accès à la justice. On le voit, alors, bien sûr, la thèse s'émane de la peine de mort, mais lorsque les institutions nationales ne reconnaissent pas, par exemple, certains droits aux femmes et d'autres choses comme ça,
Est-ce qu'on doit attendre une décision collective ou est-ce que finalement on ne doit pas aller dans la rue, on ne doit pas essayer de révolter d'une autre manière? Donc, voilà. Ah, il y a une réaction sur le chat, peut-être oui, on me dit. Oui, il y a des réactions. Alors, on me dit, si on tue ma mère, j'aurais du mal à attendre la justice que la justice collective fasse son devoir. Des fois, la justice qu'on connaît est inefficace, certains criminels sont toujours dehors. Donc, oui, c'est un fait. Et donc, justement, qu'est-ce qu'on pourrait... Moi, j'ai deux choses à dire par rapport à ça. C'est que, bien sûr, que moi aussi, je ne sais pas trop comment je réagirais, ça m'en va très bien. Mais il y a l'idée aussi que c'est infini alors, parce que genre si Johan me tue, ben là c'est mon père qui aura envie de tuer Johan, et puis après ça sera infini quoi. Il y a une tragédie, ouais. Non, c'est ça. Et du coup il y a cet argument là. Et puis il y a l'idée aussi que, ben alors même s'il y a un jugement qui est rendu, je crois que la justice dans le sens judiciaire n'est pas là pour venger les gens. Et du coup, c'est aussi toute cette question là quoi. La question de la médecine. Ouais, et puis aujourd'hui, si jamais la justice ne nous rend pas justice ou quoi, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a un accès hyper large à l'international, et du coup, passer par des organismes internationaux, des choses comme ça, pour se faire entendre son injustice, aujourd'hui, je pense qu'on a vraiment la chance de pouvoir, si jamais la justice est corrompue ou si notre jugement a été mal entendu, on a la chance de pouvoir faire bouger les choses et d'avoir le soutien et l'appui de personnalités, d'organismes. Et même d'Amnesty d'ailleurs. Amnesty, ouais. C'est une bonne raison de nous joindre. C'est vrai, en même temps, ça dépend encore super fort des pays. Quoi. Nous, on a un système judiciaire qui n'est pas trop mauvais. Maintenant, il y a des pays où c'est corrompu jusqu'à la moelle. Mais justement, Amnesty, c'est bien aussi pour ça. Pour oui, les gens. Mais avec ses limites aussi. Quoi. C'est ça que oui, je veux dire. Non, c'est plus facile de dire qu'il faut faire confiance à la justice quand on a un pays. Oui, bien sûr, pour nous, c'est sans doute plus simple. Mais même quand tu vois ce qui s'est passé récemment en Biélorussie, parfois, en effet, il faut passer par un autre moyen que le système qui est déjà mis en place. Mais après, il faut pas. Enfin, faut déjà s'intéresser parce que toutes les alternatives ne sont pas forcément les bonnes. Mais il faut faut trouver un appui et les ONG et comme tu l'as dit exactement aussi les réseaux sociaux et en tout cas ouais, Internet peuvent vraiment aider à faire bouger les choses et c'est important je pense dans le monde actuel de le rappeler, on peut faire bouger les choses encore. Ouais. Réaction dans le chat. Alors, la justice individuelle peut être compréhensible dans certaines situations, mais ce n'est jamais la solution car elle entraîne l'escalade de violence, tout à fait. Les crimes qui restent en prison à vie, faudrait pas les tuer. C'est plus simple que rester toute une vie en souffrance à attendre sa fin. C'est pas une solution. Les criminels, par question. Je crois que là, les membres dans le chat sont vraiment au courant de l'émission. Ils vont plus vite que nous, parce qu'on va. Ouais, c'est bien, c'est trop bien. Mais en tout cas, la première personne qui réagissait, qui résumait un petit peu finalement ça, c'est, je pense, à peu près globalement les deux d'Amnesty. Ouais. Donc, tu peux nous rejoindre si tu n'es pas déjà. C'est bon. Ok, on a beaucoup d'éléments. Alors, On fait tout doucement. On a décidé maintenant de vous faire un petit point sur le cas de la Belgique et on vous invite à nous dire dans le chat s'il y a des choses qui vous choquent ou pas. Donc voilà. Donc en Belgique, la peine de mort, elle a lieu, de la peine de mort a lieu en 1996. Mais la dernière exécution en date, c'est 1950, dans le contexte de crimes commis en temps de guerre. Alors, pour l'historique, donc, la peine de mort elle était d'application en Belgique depuis son indépendance, en 1830. Et entre la dernière exécution et l'abolition de la peine de mort, les condamnations continuaient de tomber régulièrement, mais elles étaient ensuite commuées, donc, c'est-à-dire transformées en des peines plus légères. Je ne sais pas si ces informations vous choquent, si vous trouvez que c'est tard, si... C'est compliqué de pouvoir juger dans le temps, mais c'est sans doute trop tard. En tout cas, au point de vue d'Amnesty, ça serait atteint ce soir plus tôt, mais non, c'est, en tout cas, c'est une information importante, je pense, à saisir dans un État républicain, en tout cas dans une démocratie. C'est des dates importantes à apprendre et à transmettre également, je pense. Oui, parce que même quand les abolitionnistes, c'est se rapprocher aussi d'un système plus démocratique, en tout cas, c'est une garantie de ça. Aujourd'hui, en Europe, pour faire partie de l'Union européenne, il faut que la peine de mort ne soit pas d'application. Et alors, je trouve qu'un des rares pays démocratiques qui a la peine de mort, c'est les États-Unis. Je crois que c'est le seul, je crois.
Et pour le reste, c'est quand même se rapprocher d'un état de droit. Et... C'est... Enfin, on nous dit dans le chat que le Vlaams Belang est pour réintégrer la peine de mort. C'est honteux, une partie qui a eu 23% de vote. Donc ouais, on a l'impression des fois que ça nous concerne un peu moins la peine de mort, etc. Mais c'est clair qu'il faut toujours rester informé. Et c'est pas un droit acquis, quoi. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais, vas-y. Peut-être que si je peux réagir deux secondes là-dessus. Alors, je suis pas belge, du coup, je connais pas très bien tous vos termes. Mais une chose est sûre, c'est que quand notamment en France, la peine de mort était abolie en 80, la majorité des Français étaient contre. Elle était pour la peine de mort, pardon. Donc, ils étaient contre son abolition. Et ça pose quand même une question extrêmement intéressante, et ça rejoint peut-être finalement aussi la question du chat, parce qu'il y a beaucoup de. Dans les démocraties, une opinion qui revient vers la peine de mort également. C'est comment doit-on concevoir aussi la démocratie? Est-ce que c'est finalement comme au PMI, ou est-ce qu'on mise uniquement sur l'opinion du peuple, l'opinion de la majorité des personnes, et dans ce cas-là, la peine de mort n'aurait pas été abolie en France en 81, ou est-ce que justement on n'essaye pas de se battre pour des idées et des principes? Et je pense que c'est aussi une réflexion qu'on a plus largement sur la démocratie, que ce n'est pas simplement la volonté actuelle, mais c'est de se battre pour des combats et des valeurs, essayer de convaincre l'autre. Et malheureusement, on n'a peut-être pas assez cherché à continuer à convaincre l'abolition de la peine de mort était une bonne chose, et on donne un outil à certains, sans doute hommes et femmes politiques, qui, eux, pourraient l'utiliser d'une manière plus autoritaire. Ouais. Oui, et puis surtout avec tout le contexte des attentats qu'il y a régulièrement ces dernières années en France, les gens veulent, à mon avis, se sentir un peu peut-être vengés en rétablissant cette peine, et puis... voilà, c'est quand même quelque chose qui, même si c'était il y a 40 ans à peu près, c'est quand même loin, et on oublie vite, et on n'est pas sensible, dans nos pays c'est aboli, on n'est pas assez sensibilisé, enfin on n'est pas très sensibilisé à ça, donc... c'est pas qui. Et à propos de terrorisme, je suis pratiquement sûre, mais pas à 100%, que Marine Le Pen, après Charlie Hebdo, prit la parole pour dire que si elle était élue, elle remettrait la peine de mort, quoi. C'est vraiment... Il ne faut pas minimiser en effet l'opinion publique de la peine de mort, mais il y a quand même, peut-être pas dans le chat si ce sont des fidèles d'Amnesty International, mais il y a quand même en effet une forte partie de la population qui souhaiterait dans certains cas l'avoir rétablie. Voilà. On nous dit dans le chat, de manière générale, je ne trouve pas ça très logique de condamner des crimes de sang avec la peine de mort. Je crois que c'est Victor Hugo qui a dit « La loi dit de ne pas tuer, comment le dit-elle en tuant ?» Encore une personne qui pourrait nous enfermer. Voilà. On garde un fil. On recrute les gens. Voilà. Non, mais oui, en plus, maintenant, c'est tout à fait. Victor Hugo, qui est une personne qui s'est en effet battue toute sa vie contre la peine de mort. Mais c'est ce qu'on disait, quoi, ça n'a pas de sens, quoi, de tuer quelqu'un parce qu'il a tué quelqu'un. Hein. Non. Et on nous dit aussi, exact, 100%, c'est plus de justice chacun, c'est plus de justice chacun fait ce qu'il veut. On a un petit écran. Ok, ouais. On nous demande, pensez-vous que la peine à perpétuité est une meilleure alternative? Mais c'est des personnes qui devaient en trouver une question, là, quand même. Non, c'est vrai, c'est une bonne question. Quelles sont les alternatives possibles à la peine de mort? Oui, la réclusion à perpétuité. Amnesty le défend, notamment. Non, Amnesty le défend en disant que quand on enferme quelqu'un à perpétuité, en fait, c'est lui laisser la possibilité d'être innocenté, de sortir plus tôt et de ne pas finir sa vie en prison. Donc voilà, c'est une alternative possible. Après, ça pose la question de la surpopulation dans les prisons, etc. Ça, c'est tout un autre débat aussi. Mais voilà, je pense que vous pouvez partager vos idées dans le chat par rapport à ça, si vous en avez d'autres. Un argument contre ça, les gens disent qu'en fait ça coûterait moins cher la peine de mort. Ben, en fait, c'est faux. Malheureusement, j'ai plus les mêmes études, mais il y a des études qui ont montré qu'en fait ça coûte bien plus cher de tuer quelqu'un. Quoi. C'est un dispositif, et donc l'argument de l'argent ne comptait déjà pas à la base, mais si vraiment il devait compter, non, ça c'est pas logique. C'est bien, je peux vous encourager. Enfin, quand même, peut-être la référence sur la question, c'est. Surveiller et punir de Foucault, quand même, qui
qui, je pense, dresse un portrait assez intéressant de la sécurité, de la punition dans un État. Alors, si je voulais encore me mettre à l'opposé dans un jeu de rôle et finalement à dire qu'il faut encourager la peine à la perpétuité, même si je pense honnêtement au fond de moi que la prison n'a pas unique comme vocation de renfermer, de punir, mais c'est aussi c'est de changer quelqu'un au vu de la société, mais il ne faut jamais oublier que malheureusement, peut-être que certains crimes ne sont toujours pas suffisamment punis. Et on le voit, c'est souvent aussi une question, peut-être qu'elle est déjà sur le chat, mais qui arrive très souvent. Malheureusement, la justice parfois elle est assez inefficace, il y a des récidivistes déjà, et puis il y a des gens qui ont commis des crimes horribles et qui sortent plutôt que prévu. Alors, c'est un peu l'argument qu'on pourrait donner, et pas forcément à perpétuité, mais est-ce qu'on ne devrait pas revoir un petit peu l'efficacité de l'emprisonnement, et pas forcément que dans la durée, mais également sur comment on en ressort, parce que c'est aussi un problème. Après, je suis globalement d'accord au fond de moi que la perpétuité, pardon, c'est pas forcément une solution. Mais juste pour revenir sur l'idée que parfois il y a des crimes qui sont pas bien punis, c'est ça? Ouais. Moi j'avoue, je suis pas très d'accord avec ça, parce que du coup ça devient tout de la bonne chance, est-ce qu'on a été assez vengé ou quoi. Mais je voulais juste dire que nous, nos prisons belges sont affreuses. D'ailleurs, on ne respecte pas les droits de l'homme dans nos prisons. Et on a été rappelé à l'ordre par les Nations Unies, je pense, pas très récemment. À propos de ça, il y a des prisons en Allemagne qui sont assez dingues, où les prisonniers sont hyper libres dans la prison. Genre, ils peuvent manipuler des couteaux, etc. Et ils ont même un jour des off. Je ne sais plus, c'est pas tous les mois ou un truc comme ça. Ils peuvent sortir de la prison et ils doivent rentrer après. Et en fait, ils le font. Parce qu'en fait, quand tu traites quelqu'un de manière humaine, il se comporte de manière humaine, quoi. Et donc, nos prisons en Belge, encore super loin de ce qu'il y a, quoi. C'est intéressant. Je suis désolée, il y a plein de choses hyper intéressantes dans le chat, mais on a un timing à respecter. Du coup, on va passer à la deuxième partie du débat sur la torture. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il y a la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans cette convention, elle nous fournit une définition de la torture, donc que je vais vous donner, comme ça on parle bien des mêmes choses. Donc le terme torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne, aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination, quelle qu'elle soit. Ces douleurs ou ces souffrances doivent par ailleurs être infligées par un agent de la fonction publique ou par toute autre personne agissant à titre officiel à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. La torture s'étend toutefois pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement des sanctions légitimes inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. Alors c'est important de savoir qu'en termes juridiques, l'interdiction de la torture, elle est intangible, ça veut dire qu'on peut pas, elle peut pas souffrir d'aucune dérogation. Le moindre acte de torture est un crime en droit international. Ça signifie que pour les 166 États qui ont ratifié la Convention, que le gouvernement doit ériger ces actes en infraction, mener des enquêtes approfondies et impartiales sur toute plainte de torture et poursuivre les auteurs présumés de tels actes dès lors que les preuves sont suffisantes. Voilà. Alors, en droit belge, c'est intéressant de savoir aussi que la torture, elle est considérée comme la forme la plus grave du traitement inhumain. Et elle est punie d'une peine de réclusion de 10 à 15 ans. Dès lors, on va passer directement à la première question. Donc on a vu que la torture, elle n'est pas uniquement physique, elle est aussi psychologique. Et donc, quelles sont, vous, les premières formes de torture qui vous viennent à l'esprit? Oula, j'attends cette question-là. les premières formes de torture. Ouais. Je sais pas si quelqu'un veut commencer tant que j'en trouve. Non, Est-ce que je peux peut-être dire rapidement, avant de répondre à la question, c'est parce que ma présentation, c'était très juste de présenter à travers le droit international, puisque ça fait sens, et la convention contre la torture, etc. Que alors, tous les États membres, enfin,
beaucoup d'États n'ont pas signé, mais par contre, en effet, en adhérant à la Charte des Nations Unies, ils ont le devoir d'obligation. Je crois que c'est l'article 49, si je ne dis pas de bêtises. Mais il faut savoir que le droit international aussi ses limites, malheureusement. Et c'est pour ça qu'on voit aujourd'hui autant d'actes de torture. Et donc, c'est un débat encore plus profond, c'est comment doit-on voir aussi le droit international ? Est-ce qu'on est très réaliste à se dire, bah, finalement, non, c'est l'État qui a la pleine souveraineté ? Ou est-ce que, finalement, on pourrait croire à un principe supranational qui, lui, gérerait, et les droits de l'homme vont dans ce sens-là, les relations entre les États ? Après, en Europe, dans l'Union européenne, on a la chance d'avoir la CEDH qui tranche un peu la question, puisqu'elle a un pouvoir, on va dire, plus judiciaire des États. Du coup, voilà, c'est une petite chose intéressante, mais la définition, en effet, je pense, la plus pertinente d'un point de vue politique, c'est en effet celle que tu as citée, de la Convention, c'est ça. Ouais. Ouais. Je vais sur le temps, j'ai pas compris les dire. On est à la culture de nature physique, donc ça peut être des coups, des charges électriques, voilà. On a de la torture de nature psychologique. On voit Guantanamo, par exemple, dans un original avec la musique, ou alors. On a d'autres psychologiques. Il y a Alain qui est un membre d'Amnesty qui m'a briefé et apparemment je vais absolument parler de la prison d'Abu Ghraib. Et donc, je le passe ici parce que ça a un sens. Moi pendant longtemps j'avais pensé que la torture c'était pour soutirer des informations, quoi, et que ça n'existait pas de notre façon. Et en fait, cette prison-là, était une prison américaine en Irak. Et donc c'était beaucoup de militants, de citoyens qui sont enfermés là, mais aussi des militaires. Et en fait, c'est un échantillon de torture humaine, c'est horrible. Et en fait, on torturait les gens, mais pour rien, il n'y a pas de raison derrière, quoi. Donc c'était noyade, c'était électrochoc, on obligeait les hommes et les femmes à se masturber, horrible. On est dessus, quand même. Exactement. C'est très connu parce que les États-Unis sont impliqués dedans, évidemment, ça fait énormément de scandales. Mais aussi parce que ça a été hyper documenté par des photos. Je vous encourage à aller regarder les photos sur Wikipédia. C'est horrible. Et ouais, c'est toute l'horreur humaine, quoi, vraiment. Ok, dans le chat, on nous dit aussi les coups de fouet. Oui, il y a aussi tout ce qui est de nature sexuelle. Viol. J'ai peut-être une question, pour pas trop déborder peut-être sur l'ordre du jour, mais si on a le temps, qui n'a peut-être rien à voir, mais par exemple, entre nous, est-ce que vous considérez que le harcèlement, par exemple, qu'il soit scolaire ou pas que, est une forme de torture ? Voilà, pas forcément au nom d'Amnesty International, mais comme ça, est-ce qu'on peut appeler ça de la torture, ou est-ce que c'est maladroit ? Est-ce que c'est inapproprié, ou est-ce que finalement ça rentre dans l'idée ? Peut-être une colle que j'ai à vous poser. Moi, je pense que la torture, on peut essayer de la définir. Mais après, chacun a une sensibilité différente. Du coup, quelque chose qui, pour vous, ne sera pas de la torture, va être considéré par une autre personne comme étant de la torture. Donc, pour moi, c'est vraiment un terme hyper difficile à définir, sachant que, vraiment, je pense qu'il est différent pour chacune des personnes. Et donc, oui, le harcèlement peut être vécu comme de la torture, et d'ailleurs, est tellement parfois difficile à supporter que ça conduit au suicide dans certains cas. Donc, pour moi, comment ne pas dire que c'est de la torture. Après, certaines personnes verront le harcèlement, le prendront peut-être beaucoup plus loin, le verront comme au rang malaise, mais ne se sentiront pas torturées. Je pense que ça dépend vraiment du ressenti de chacun, je pense que c'est propre à chaque personne, en fait. D'accord. Ok. On va passer à la question suivante concernant la torture. On nous dit dans le chat que le harcèlement est une forme de torture. D'accord, intéressant. Je pense que ça peut rentrer dans l'idée, mais il ne faut pas nier le fait qu'il peut y avoir justement différents degrés de torture dans différents buts également. Bien sûr. Ok. Je faisais une question un peu bizarre maintenant. selon vous, qu'est-ce qui est le plus grave ? Est-ce que c'est la torture ou la peine de mort, et pour quelles raisons ?
C'est une question compliquée. Ouais. Pour moi, déjà le but est différent. Enfin, la peine de mort, c'est quelque chose vendu par l'État au terme d'un procès. En tout cas, la peine de mort, si on parle de l'État, voilà. On parle pas d'exécution aléatoire comme ça, ou de meurtre, quoi. Mais vraiment, la peine de mort, donc voilà. Et alors que la torture, c'est dans le but d'obtenir, d'extorquer quelque chose à la personne. Et c'est quelque chose... Enfin... Oui. Mais pas toujours, quoi. Comme je disais, pour la personne d'abord, ouais, c'est vraiment juste torturer pour torturer. Quoi. Ok, dans le chat, on nous dit « Selon moi, il n'y a pas de comparaison à faire. Les deux sont inadmissibles et à l'encontre des droits humains. » Tout à fait. Les deux, mais la torture peut être plus régulière pour la personne qui l'a subie. Ouais. En fait, ici, genre, ce qu'on aime bien montrer, c'est que on peut se dire, ok, peut-être que la peine de mort, c'est plus facile parce que c'est plus rapide, en théorie, on en a parlé tout à l'heure, parce que tu meurs et puis voilà, c'est fini. Mais la torture, ça peut être à longue durée, peut avoir des séquelles. Voilà. Donc, alors, de manière que ce sont deux actes qui violent les droits humains. Exactement. Et donc on peut les comparer, mais en soi, je pense pas que ça apporte grand-chose. Mm-hmm. C'est deux choses qui sont à proscrire. Et puis évidemment, Amnesty ne les hiérarchise pas. Et non, oui, bien voilà, sûr. Évidemment, pour peut-être faire un point. Mais c'est une question intéressante, mais un problème qui a été traité, c'est est-ce que finalement, si je me disais avocat du diable, ce serait pas mieux d'abréger les souffrances et tuer quelqu'un directement que de torturer. Oui, ou si l'un est plus acceptable que l'autre. Voilà. Mais en effet, je pense que quand on parle de droits de l'homme, quand on parle des droits de l'homme, de l'esprit universel derrière, on ne peut pas hiérarchiser, on ne peut pas accepter, on ne peut accepter aucune dérive des droits de l'homme. Que ce soit pour la torture ou la peine de mort, ou même plein d'autres choses. Et plus largement, hiérarchiser les souffrances, je trouve ça super délicat. Quoi. Mm-hmm. Ouais. Oui, non, c'est vraiment pas le but, c'est juste pour réfléchir. Et on nous dit dans le chat, c'est tout à fait vrai que la peine de mort peut être également considérée comme une torture psychologique. On le voit, il y a les couloirs de la mort où certains attendent des années leur exécution. Et ça, c'est une forme de torture psychologique, tout à fait. Est-ce que c'est bien le chat? Voilà, ouais, c'est bien le chat, c'est pas fond. Et moi, je vais plus Moi, j'aurais aimé aussi évoquer l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est le droit à la vie, c'est-à-dire le droit de ne pas être tué. Et il a invoqué pour plein de choses, mais notamment pour protéger les citoyens contre ce qui est considéré le meurtre légal, donc autrement dit la peine de mort. Voilà, c'est une petite info que je voulais donner. On va passer à la dernière question concernant la torture. Alors c'est une petite mise en situation. On vous demande est-ce que la torture pourrait être utilisée contre le terrorisme afin d'obtenir des infos. Donc on se met dans la situation où il va y avoir une attaque à la bombe dans une école. Les autorités ont arrêté l'individu. Mais il refuse de dire où est placée la bombe. Et donc, pensez-vous que dans ce cas-ci, ce serait justifié et souhaitable que les autorités torturent le suspect afin d'obtenir les informations et de sauver ses enfants? Donc, on part du principe qu'il n'y a que cette personne-là qui peut nous aider et voilà. Mmh. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Moi, je me fais la porte-parole de la voix d'Amnesty et dans tous les cas, la torture est à bannir. Je pense qu'aujourd'hui, avec les moyens qu'on a, par exemple, on peut procéder à une fouille du domicile, on peut avoir accès peut-être à des ordinateurs, des téléphones qui peuvent nous donner des indications sur l'emplacement de cette bombe. Et je pense que si on est persuadé que la bombe va exploser dans l'heure ou quoi, dans une école, on peut fermer les écoles ou des choses comme ça. Donc, recourir à la torture, alors que. Et puis, en fait, il y a tout. Il y a moyen de trouver des leviers de pression sur la personne autres que la torture. Par exemple, quelqu'un
proposer une remise, enfin une diminution de peine ou des choses comme ça. Donc je pense que vraiment que la torture doit être évitée, interdite, et voilà, donc il y a toujours moyen de trouver, je pense, Et torturer pour avoir des infos, ça a déjà montré plein de fois ses limites. Il y a eu un cas, je ne sais plus si c'était en Belgique ou en France, un homme qui était accusé de pédophilie, et puis je crois que c'était après de sortir de prison, des années plus tard, il a dit qu'en fait il avait été torturé et du coup il avait avoué des infos, on lui avait fait persuader qu'il était vraiment lui le pédophile, quoi. Mais il y a aussi une super série sur Netflix, When They See Us, je ne sais pas si vous avez vu, les cinq du Central Park. C'est cinq, sous l'avocat. Ouais, ouais, qui ont été accusés à tort d'avoir violé et presque tué une jeune femme. Et en fait, ils avaient été torturés par les policiers de l'époque, quoi. Du coup, ils avaient été jusqu'à avouer quelque chose qu'ils n'avaient pas fait. Du coup, c'est ça le grand enjeu. Quel crédit peut-on donner à des informations sur la torture, pas grand-chose. C'est assez fréquent, ouais, que les gens, du coup, mais pas que à travers la torture, hein. Il y a aussi des gens qui, psychiques, enfin, qui parfois aussi, quand on les accuse, ont du mal aussi. Enfin, on n'est pas obligé de passer par la torture pour pas. Il y a eu malheureusement des cas où des gens ont avoué des crimes qu'ils n'avaient jamais fait. Mais là, alors, si je remets encore mon costume d'opposition, je pense qu'il faut être aussi, voilà, toujours aussi un jeu de rôle, réaliste. Aussi par rapport à ce qui se passe, c'est-à-dire que là en l'occurrence c'est un cas d'urgence, c'est pas un cas, même si c'est tout aussi grave, je dis pas le contraire, de pédophilie, c'est un cas d'urgence, d'extrême urgence, et face au danger immédiat, il faut des réponses immédiates, et d'un point de vue réaliste, je me pousse un jeu de rôle, je suis désolé, ça me fait mal de le dire, mais d'un point de vue réaliste, malheureusement, si on peut sauver des centaines de vies, tous les moyens sont bons. Et c'est aussi pour ça que, alors c'est officieux, c'est pas officiel, mais on sait très bien que ça se fait, que ce soit la DGSE, etc., ou même la DGSI, et si ça se fait ailleurs, c'est aussi un concours de... Enfin, tu peux pas te permettre de pas le faire si d'autres le font, quoi. Ouais. Je veux dire, même vis-à-vis ce qu'on appelle les clandestins dans le domaine de l'information, je veux dire, soutirer de l'information à même nos alliés, ça arrive souvent qu'on interroge de manière très dure des clandestins étrangers pour récolter des informations sur leur pays. C'est le jeu, malheureusement, de la diplomatie officieuse. On peut le condamner, on peut bien sûr en être triste, mais sinon, c'est un peu cette logique abstraite de si on ne fait pas, on laisse les autres nous le faire. C'est ça. Voilà. Ok. On nous dit aussi, on en a parlé dans le chat, mais j'arrive pas à défiler, c'est pas grave. En gros, il faut faire attention que là, on a pris le cas du terrorisme et donc de l'argument de la sécurité nationale qui ferait valoir qu'on puisse légitimement torturer quelqu'un. La torture n'est pas évidemment utilisée que dans ce cas-là. C'est pas vrai, la torture, tout le monde peut être sujet. Tu peux être au mauvais endroit, au mauvais moment, tu peux être un militant, tu peux être... Enfin, peu importe. C'est vraiment, on ne réduit pas ça au cadre de la sécurité nationale, pas du tout, c'était juste pour prendre un exemple. Voilà. Ou même par exemple, pour combler ce que tu dis, en Tchétchénie, on fait de la castration chimique qui est reconnue, je pense, comme de la torture sur les personnes homosexuelles. C'est aussi une forme de torture et qui, là, pour le coup, n'a aucun danger de sécurité nationale. C'est vraiment une idéologie néfaste. Ok. Il y a beaucoup de chat. J'ai vu par rapport à l'article 3 quelqu'un qui demandait si ça peut être évoqué contre l'avortement. Alors oui, c'est le cas, je ne saurais pas t'en dire plus, mais c'est aussi le droit à naître qui est en jeu là. Et du coup, voilà, mais j'ai vu quelqu'un t'avait répondu qu'il y avait la campagne des droits des femmes à 18h. Donc voilà, il faut rester connecté pour la suite. C'est peut-être notre travail, c'est génial. Bon, en tout cas, il va être l'heure de conclure. Mais un grand merci pour votre participation. On a encore 5 minutes de plaisir en plus avec vous. On peut lire, voilà. D'accord. Bah, du coup, même si vous avez des questions sur le travail de l'amnesty en général, n'hésitez pas, je pense. C'est l'occasion. On n'a pas parlé des cas des exécutions des mineurs. Du coup, je voulais faire un petit point là-dessus, parce qu'il est interdit dans le droit international, relatif aux droits humains, mais certains pays continuent à condamner à mort et d'exécuter des mineurs.
Et alors, depuis 1990, on compte 149 exécutions de mineurs dans 10 pays, dont l'Iran, qui compte 99 exécutions d'entre elles, quoi. Mmh. Voilà, je ne sais pas si vous voulez réagir aux exécutions des mineurs, si vous avez des choses à dire. Je pense que, comme la position de base est que nous sommes contre la peine de mort, évidemment qu'il s'étend avec, avec puissance aux enfants. Alors on peut rebondir que c'est pas forcément de la torture pour autant, en tout cas peut-être pas considéré comme de la torture, mais également ce qu'on appelle les enfants soldats, beaucoup de pays notamment, pas que l'Afrique subsaharienne. Et c'est également un problème qui se pose, donc plus largement autour des droits des enfants, et qui est aussi dénoncé par Amnesty. Toujours notre chance. Mais oui, malheureusement, il n'y a aucun profil qui est épargné. Et je veux dire, finalement, la peine de mort s'applique à beaucoup de gens de manière différente. À des gens qui ont parfois commis en effet des crimes, le terrorisme en effet, souvent condamné à la peine de mort. Parfois des gens uniquement parce que pour leur orientation sexuelle, pour leur conviction politique ou religieuse. Je veux dire, il n'y a pas un public ciblé à la peine de mort. Pourtant, la sentence est toujours la même. Et c'est pas forcément pertinent de le dire, mais c'est pour combler les 5 minutes. On a une petite info de Florine qui a participé à la campagne avec nous, qui nous dit que le plus jeune condamné à mort aux USA avait 14 ans et a été innocenté 70 ans plus tard. Oui. 70 ans. Ça prouve que c'est pas une science en tout cas. Je veux dire que la justice ne sera jamais une science et que c'est pour ça qu'il n'y a pas d'algorithme pour l'instant qui remplace la justice. C'est que quelqu'un qui est condamné, on n'aura jamais la certitude. Enfin, je pense qu'on ne peut pas avoir l'absolue certitude de son âge. Et en plus de ça, il y a des études qui ont montré, et puis on peut le voir comme ça, c'est que, encore un argument pour la peine de mort, c'est qu'il y a trop souvent, on se trompe, quoi. Alors on tue des gens et on fait « Ah, oups !» Après, c'est quand même délicat, quoi, même plus que délicat. Donc, Et c'est dur de redormir, en l'occurrence. Oui, c'est compliqué. Ouais. Bon, on va conclure. Hein. Ouais. C'est bon. Il nous reste 2 minutes, on a... Un grand merci de votre participation. On espère que ça vous a plu, que ça vous a permis d'apprendre plus sur les deux thématiques et d'étayer vos positions sur celles-ci. C'est parfois des sujets qu'on pense en Occident éloignés et qui nous concernent un peu moins, etc. Mais on espère vous avoir montré que justement c'est pas le cas et que ça nous concerne bien et que c'est important de lutter contre. Donc voilà, alors je vais vous dire la suite du programme. Maintenant il va y avoir une petite pause d'une demi-heure et après vous retrouverez l'interview de Sarah Schlicht, secrétaire d'État à l'égalité des genres et l'égalité des chances et à la diversité. Voilà, on vous souhaite une très bonne journée des droits de l'homme et à bientôt.